Deux anciens chefs d'État du pays, Boni Yayi, Nicéphore Soglo et d'autres opposants réclament son toilettage. Cette loi électorale risque d'entacher la transparence du prochain scrutin législatif, selon l'opposition béninoise. À lire aussi, Benin, manifestation contre la gouvernance du président Talon. Le corps électoral ayant été convoqué, la requête de l'opposition n'est pas réaliste selon le député de la mouvance Abdoulaye Gounou qui s'appuie principalement sur des questions de délai. D'après le protocole additionnel de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur la bonne gouvernance, une loi électorale ne peut être retouchée à 6 mois du scrutin, à moins d'un consensus, rappelle le professeur de droit Moisla Leye. Le dépôt des candidatures à la commission électorale démarre jeudi pour ces législatives prévues le 28 avril prochain.